trop content de faire ses vacances à Limoges. Gros. Ouais. On va où là? On part au Maroc. Mais gros, on part au Maroc. Truc de baiser. Mais où? Bref, on part au Maroc les gars, les affaires sont prêtes, il est 7h du matin, on part dans 15 minutes. Bah c'est carré, hein. On part une semaine, un vlog tous les jours. Et puis voilà, je vous montrerai les... C'est parti pour une semaine de folie. Je vous montre l'équipe tout à l'heure, on se retrouve à l'aéroport. Bon les gars, on est arrivé à l'aéroport. Avec... Attends, mais gros, c'est bâtard. Mais gros, je vois pas quand je cadre. Avec le petit Charlot, on attend plus que... On attend plus que l'anneau et puis on est au complet pour partir. On vient d'arriver, il est 8h12. Ça fait un an on parle de ce voyage. Et là... C'est Idriss dans le Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai envie de ma mère, gros, on part au Maroc, oui. On est là, on a 18 ans, on part au Maroc, ma gueule. Ethan. Vas-y, je vous reprends quand il y a putain, le petit BG de l'anneau. Parce que c'est quand même grâce à lui qu'on peut partir en Maroc. C'est lui qui a une maison là-bas, c'est lui qui a. Ah, mais... Voilà, regardez qui c'est qui arrive. L'anneau. Ça va ou quoi, mon ref? Ah, tu t'es rasé et tout. Le mec, il s'est fait propre. Le mec, il va se régaler. Bon, l'anneau, t'es déter ou pas? Parce que je sais que toi, c'est la première fois que tu prends l'avion. Franchement, j'ai un peu peur. En ça le traque Non, les gars, wesh. Ouais. C'est la première fois que je prends l'avion. Ah, je suis pas serein, les gars, wesh. T'es serein, toi, dans un avion? Je suis silencieux, là, les gars. Ah, ouais, c'est trop bien. Dans 15 secondes, j'ai une vraie gros. Je vais essayer de te ramener des sacs si j'ai la place. Mais j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois. L'avion, elle avait tremblé, genre là, elle est commencée à. Mais allez, mais arrête de commencer à raconter des histoires, cette espèce de salope. Il veut prouver de toute façon celui-là. En même temps, il est massif. Et ouais, énorme sec. Bon, vas-y, bref. Et à l'intérieur. Non, bah non, du coup, parce que je vais me faire strike. Quelque chose, Evan. Je vais vous reprendre en. Quand on est dans l'avion pour le décollage. Ah, si, je ça va être la mort. Bon, les gars, on va embarquer là. Là, c'est. J'espère que ça va être incroyable. Là. Je reprends dans l'avion là, je vais monter devant, je sais pas si on voit. Ouais merci, vous aussi. Je vais vous prendre devant avec Ethan et le père à Idriss. Yeah, ça va être incroyable hein. T'en penses quoi gars, ouais mon gars là ça va péter. Vas-y là, bah. Attends. Là il fait pas beau, on est en suite, mais quand on arrive mon gars il fait 24. Là gros ça va être plus pareil. Attends, viens avec moi. Je vous reprends quand on est assis dans l'avion. Il doit faire 24. Ouais, c'est magnifique. Bon du coup les gars, je vous reprends. On est bien arrivé, grand soleil de baiser. Je sais pas combien il fait, mais il fait chaud de ouf. Là on attend notre comment on appelle ça, un correspondant.
Ouais, on va appeler ça un correspondant. Taxi. On attend qui? On attend Charles et Idriss aussi. Les parents à Idriss. Après, on est bon, on arrive dans la petite maison. C'est bon, on est arrivé dans ta petite ville de base. Génial, non, les gars, c'est vraiment, vraiment, c'est giga bon. Bon, juste parce que. Par contre, il y a des scooters. Ils sont souvent à notre niveau. Ils dépassent de la droite ou de la gauche, hein. C'est comme ils veulent. Vraiment, par contre, c'est magnifique. Ah, regarde les décors de la route, type circuit de Formule 1 sur les côtés. Ah, mec, vraiment, c'est beau de baiser. En fait, il y a des palmiers, etc. C'est vraiment genre, une ambiance qui change de fou par rapport à ce qu'on connaît. Bon, les gars, on est arrivé à la maison, on a déposé nos affaires, tout impeccable. Vous échangez? Enfin, moi, ouais, pour le coup, j'ai pas eu le temps. Vraiment, il était chaud de baiser, genre. C'était combien là? On était sur la météo, ils annonçaient 26-27. Ouais, gros frère, 27, quasiment 30, gros. Il y a pas de nuages ici. On est au mois de décembre, cousin. On est le combien? On est le 23 décembre. 23 décembre, ouais. Dans deux jours, c'est Noël, il fait 26 degrés. Ouais. Par contre, toi, combien? Le réchauffement, on est à la maison, Bajar. Idriss, c'est pas pire là, on est en. Voilà. Bon, je vais vous faire visiter aussi juste après quand on arrive en ville. Là pour l'instant, on est dans le graphique avec l'équipe. Non, on est venu en juillet avec maman. Donc là, on va en ville, on se dirige à Marrakech, c'est ça? Ouais. On va à Marrakech, en centre-ville. Et puis, on est déjà à Marrakech là en fait. Depuis tout à l'heure, on n'a pas quitté Marrakech. Juste on quitte les quartiers. C'est un peu chaud de quitter Marrakech. Longtemps, quoi. Ok, et bah on est toujours dans Marrakech du coup. Mais on se dirige vers le centre-ville du coup. On va aller manger. On va aller manger, on va aller retirer les dirhams. Et puis voilà, je vous ferai visiter la ville quand on y sera. Et puis voilà quoi. On est parti pour un bon petit tour. Nous voilà dans les villes de Marrakech. C'est ici que je l'ai fait. Non les gars, c'est trop beau. Là on va aller changer la monnaie. Par contre c'est des malades ici. Hein. Les piétons, ils ont pas la priorité. Donc ça veut dire, gros. Oh, un petit chat. Donc ça veut dire, gros, s'il y a une moto qui passe, si t'es de dos, à te bouscule. T'en veux pour toi. Wesh, gros, mais il y a des chats partout. Wesh, fais gaffe, il y a un scooter. Bah attendez, vous allez voir tout de suite ce que je vais vous expliquer. Par contre, ça sent vraiment bon. Acheter aussi. Mais là, à droite, t'as un truc. Ce pays est magnifique. On peut acheter des lézards, des tortues et tout, gros. Et encore, t'as pas vu un endroit, on avait vu un faucon. Ouais. J'ai déjà testé la boisson. Wow. Lézard, t'as une, comme texture. Enfin, pas de la reine, mais l'autre. Ah ouais. Genre, c'est. Eh, mais ils sont crevés, gros. Ouais, ils sont crevés, les lézards. Je sais pas. Wesh. Oh, comme il est énorme celui-là. Wow, gros. Wow. C'est trop stylé. Ils aiment bien ça, ils aiment bien. Ah, c'est tout bizarre. Oui, par contre, ça a deux de ses griffes. Vas-y, chapeau, Idriss. Ça? Ah oui, mon dieu, il a de ses. Il a des vraies griffes. Par contre, celui-là, il est balèze. Je crois qu'il est mort. Touche la queue. Il est canné. Lui, à tout moment, il chic. Il est canné, lui, non? Libère. Repose-le, tiens, repose-le. Les gros trous, il est incroyable. Avec nos petits jus d'orange. Posé là, on va faire quoi? On va boire du thé. On va boire le thé, frère. C'est quoi, thé à la menthe, non? Je prends un thé au. Je prends un thé, c'est à quoi? C'est le thé magnifique. Tu me verses de 14 mètres. Non, là, ça va se régaler, ça va être trop bon. Non, gros, ça sent vraiment bon en plus. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Oh mec, ça commence à sent bon, frère, c'est bien. C'est chaud, ça me oui, c'est chaud, c'est chaud. Si, bah les gars, ça va déguster ça. T'es chaud, Ethan ? Un cuisson de Ethan. Vas-y, c'est chaud, gros. Allez. Oh, vas-y, on picole ça et je reprends après. Non, c'est trop bon, gros. Non, c'est un régal. C'est magnifique, les frères. Non, comment c'est bon, gros, je suis choqué. Et après ça, ça va moutra fort. Mmh. Ah, vache. Ouais, mais... Oh, mon Dieu, c'est sec. Le thé, il régale, après. De la même de la bibliothèque qui est partie dedans. Ça va, c'est bon. Mais en fait, c'est du pain cuit. Genre. C'était meilleur, les gâteaux de tout à l'heure. Il y avait genre des amandes et puis... Oh, ouais, j'aime bon, frère. T'aimes bien les gâteaux là. Non. T'aimes bien les gâteaux ou pas? Oui. Ok. Gâteau? Si. Wow, la lumière. Petit repas du soir, là. Il est quelle heure? 19h30. Fait nuit. En vrai, c'est la nuit tombe assez tard, elle tombe vers genre vers 19h. C'est magnifique. Pourtant, on est à 23 décembre, tu vois. En France, il fait nuit à 17h. Non, là, 19h, il commence à faire nuit. Et pourtant, ça vit toujours beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais... 3h du matin, 5h du matin, ça vit toujours. Ah ouais? Tout le temps, il y a toujours des gens ici. Ah la vache, non, c'est vraiment bien. Jusqu'à 5h du matin, il y a encore des gens. Il y aura toujours des gens sur la place. Ça vit beaucoup. Non, en vrai, la température, c'est bien là. C'est vraiment. Ah, c'est bien. Par contre, faut pas venir en été, parce que là, ça commence vraiment à être chaud. Ah, bah là, ouais, en été, il doit y avoir pas mal de monde. Quand c'est chaud aussi, genre. Merci. Ah ouais, ok. Quand je dis ça, c'est genre des 50 degrés. Elle est plutôt stylée, la petite carte. Bon, on graille. T'es des terres grêles là, t'as faim ou pas? Enfin, voilà. Bon bah les gars, on vient de rentrer là. On retourne dans la maison. Bon, on n'est pas rentré trop tard, il est 21h15. Range Rover, sa mère! C'est celui qu'on va prendre, ça. Ouais. Et bon, on voit pas grand chose, mais en gros, là, il est 21h40. En gros, on rentre à la maison, on dort. Demain, on se lève, on va manger avec la famille Idriss. Après, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, on fait quoi demain après-midi? On fait quoi demain après-midi? Le massage! On se fait masser, gros! Et après le massage, on fait quoi? On fait quoi? On quitte la masseuse. On va en boîte de nuit. Non, on va dans une boîte de nuit. C'est quoi? C'est le 555. Ouais. C'est le 555 là, la boîte de nuit. Ouais. Ouais, c'est une boîte de nuit. Bon, tranquille quoi. Il y a juste Snoop Dogg qui est passé plusieurs fois dedans. Et du coup, bon bah, on va y aller demain. Bon bah voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Fin du premier jour. Bisous les Bretons. Si. Je veux juste que tu présentes l'endroit. Ouais, je vous fais peut-être un petit room tour, mais en vrai. De la villa. Je pense, non, en vrai. Non, ça y est. Mais c'est pas une villa. Enfin, si, c'est une grande maison, mais j'ai pas besoin de vous montrer. Donc, les gars, je vous laisse là-dessus. C'était la fin de la première journée au Maroc. Découverte au Maroc. Franchement, c'était incroyable. Des gens, ils sont trop sympas ici. Il y a des chats à chaque coin de rue. Il y a des mobilettes à chaque coin de rue. Mais je kiffe l'ambiance du pays, genre, en général. Donc voilà, fin du premier jour, c'était trop cool. Hâte d'être demain. Et puis voilà, on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner dans Marrakech. Allez, bisous la famille. Vas-y, pète Axel. Ouais. Non, mais ce bâtard, il fait longtemps. Il fait grand dégât. Ah, c'est pas bon, gros, j'ai du sang tout dans la tête là. Oh, regarde, je suis trop rouge. Oh putain, ça pue.